Alors, donc, cette recherche, elle porte toujours sur nos conseillers virtuels, dont on a vu tout à l'heure qu'ils pouvaient influencer des tas de variables, dont la confiance. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on aurait pu s'interroger sur est-ce que cet agent n'aurait-il pas dû être un homme, une femme, comment il devrait être habillé, quelle devrait être sa posture. Et on va jusqu'à se poser la question, quelle voix doit avoir mon interface? Parce que les agents virtuels peuvent avoir des voix complètement robotisées, qu'on appelle des voix de synthèse. Quand vous utilisez Siri ou d'autres logiciels, bah vous voyez bien que ce n'est pas des voix totalement naturelles. Et puis, on a des interfaces qui, au contraire, sont des voix complètement humaines. Et on va voir que le choix entre les deux types de voix n'est pas du tout anodin et que c'est surtout une logique de coût qui se trouve cachée derrière ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, on se demandera, dans le cadre de cette recherche, c'est l'objectif de ce papier, eh bien, en quoi la voix qu'on va affecter à un agent virtuel peut, là encore, modifier tout un certain nombre de variables que je vais vous expliquer après. La présence sociale perçue, la confiance envers le conseiller, la confiance envers le site, voire même en quoi cette voix entendue peut modifier vos intentions comportementales. Vous avez peut-être tous et toutes vu ce film qui est sorti il y a 4-5 ans, qui s'appelait R, HE2R, d'un homme qui tombe amoureux de la voix de son ordinateur, de son interface. On est complètement dans ce cadre de recherche, sauf que là, le résultat, l'aboutissement n'est pas le même que dans le film. Alors, traditionnellement, maintenant, vous le savez, une revue de littérature, une méthodologie, des résultats, des implications et des limites. Toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contexte managérial. Le contexte managérial, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, c'est les entreprises qui recourent de plus en plus souvent à ce qu'on appelle des chatbots. Ça, c'est tout frais, hein, ça a à peine 2 ans. Ou à des agents virtuels. Pourquoi, me direz-vous? On a deux collègues qui nous l'expliquent. Hein. C'est que très souvent, ce qui est reproché à toutes ces interfaces, à tous ces sites, à toutes ces applications, c'est qu'elles font preuve, elles démontrent un manque de chaleur humaine, de sociabilité. Et donc, la voix d'une interface peut être là pour pallier ce manque. Et ce qui est intéressant, surtout d'un point de vue économique, c'est qu'on évalue à 12,8 milliards de dollars le marché mondial des agents virtuels d'ici 2024. Donc il y a vraiment un enjeu économique hein, quant à la fabrication de ces agents. Alors, on a vu ce matin, je ne le répète pas, ce qu'est l'agent virtuel, vous voyez, toujours le bon réflexe, j'utilise un terme, je le définis tout de suite en introduction, les représentations graphiques personnifiées de programmes informatiques, donc on a vu à quoi ça ressemblait ce matin, on a vu quelques résultats ce matin, que notre agent virtuel peut influencer la confiance, l'immersion, les intentions, mais malgré tout, on a des travaux qui attire notre attention sur le fait que beaucoup d'agents virtuels ont échoué. Pourquoi ils ont échoué à une époque? Eh bien parce qu'ils ne savaient pas toujours, systématiquement, répondre de manière précise aux réponses des consommateurs. Donc vous avez peut-être fait l'essai de chatter sur un site web où vous posez une question au chatbot ou à l'agent virtuel et que celui-ci n'est pas en mesure de répondre à l'information parce qu'il ne la possède pas. Un des motifs d'échec aussi de ces agents virtuels, c'est qu'ils manquaient parfois d'autonomie, voire qu'ils étaient perçus plutôt négativement par les utilisateurs, certains trouvant qu'ils avaient parfois une apparence inadaptée. Donc, les agents virtuels, ça représente un marché intéressant, mais on voit que ça n'est pas totalement une science exacte, pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors, pour tenter d'améliorer la perception de ces agents virtuels, on s'est
proposer progressivement de les anthropomorphiser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'on a voulu donner à ces interfaces des apparences humaines. Donc, on les a habillées comme des humains. On leur a donné une représentation féminine ou masculine. Et parmi les variables qu'on a utilisées pour les anthropomorphiser, on a joué sur leur voix. On a donc travaillé sur la voix des interfaces. Et nous, la question à laquelle on répond, et vous voyez quand je vous dis que ça arrive souvent, très vite la problématique, on est à la deuxième slide, dans quelle mesure le type de voix du conseiller virtuel qu'on va installer sur un site web peut-il influencer, alors cette fois-ci, ce qu'on va appeler la présence sociale, la confiance envers le conseiller, la confiance envers le site, voire ses intentions comportementales. Donc, y a-t-il l'impact de la voix sur ces quatre variables ? C'est ça l'objectif. L'objectif théorique, il est simple. Ce type de travaux-là s'inspire de beaucoup de travaux faits en informatique, en robotique, mais jamais en marketing et jamais tout ça dans un contexte marchand. Donc ça va être la première fois où, à des fins marchandes, on s'intéresse à tout ça. Sur le plan managérial, l'intérêt de ce type de recherche, c'est, comme ce matin, renseigner les managers sur la pertinence ou pas d'investir dans des conseillers et d'investir dans ce que j'appellerais des conseillers, mais aux caractéristiques anthropomorphiques précises. Et là, on va travailler sur la voix. Donc, ma revue de littérature est entièrement dédiée à la voix. J'aurais pu travailler sur une autre variable, hein. J'aurais pu travailler sur les postures, sur les gestes, sur le regard. On ne travaille que sur la voix dans le papier. Et là, j'ai toute une série de recherches qui n'ont rien à voir avec du marketing, hein, qui sont plutôt des travaux en informatique, en système d'info, où on nous explique à quel point la voix est quelque chose d'important. Et on nous explique même qu'en interaction homme-machine, la voix constitue une caractéristique importante pour interagir avec les ordinateurs, les interfaces. Il y a des tas de travaux assez passionnants qui ont montré que lorsque l'on dote un ordinateur d'une voix et que l'utilisateur échange avec l'ordinateur en entendant cette voix, eh bien, au bout d'un moment, l'utilisateur considère l'ordinateur comme une personne. On personnifie l'interface, on personnifie l'ordinateur du fait de la voix que celui-ci utilise. Par ailleurs, vous voyez qu'un certain nombre de travaux montrent que les interactions orales avec les machines sont mieux perçues que, par exemple, des interactions avec juste du texte. Nous, d'un point de vue fabrication de la voix, ce sujet est important parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous allez utiliser une voix de synthèse. Donc une voix de synthèse, ça nous place dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que la voix de synthèse d'un ordinateur, d'un robot, d'un agent virtuel, eh bien, c'est une voix qui a été produite par des logiciels et ça ne coûte pas très cher d'installer ce type de voix, c'est juste une histoire de programmation informatique assez sophistiquée. En revanche, si vous voulez doter votre agent virtuel d'une voix humaine, là le problème c'est que ça va vous coûter non seulement très cher, mais que c'est quasiment mission impossible. Parce que pour qu'un agent virtuel parle comme un humain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait avoir enregistré au préalable, avec un vrai humain, tout ce que l'agent peut être amené à dire. Or, c'est absolument impossible. Alors que dans le système avec voix de synthèse, c'est tout à fait envisageable, surtout que les processus d'intelligence artificielle font qu'à un moment donné, les interfaces apprennent d'eux-mêmes. Vous avez déjà remarqué que quand vous utilisez votre smartphone, vous envoyez des SMS, au bout d'un moment, votre smartphone, quand vous tapez un nouveau SMS, vous propose les mots
que vous allez utiliser parce qu'il a reconnu les mots que vous utilisez le plus souvent, les phrases, et vous le propose pour vous. Donc, il a appris tout seul. C'est pareil avec la voix de synthèse. Donc, vous voyez qu'on est, je dirais, coincé entre deux logiques. Est-ce que mon interface a plutôt une voix de robot, une voix de synthèse ? C'est pas tout à fait naturel, mais ça coûte moins cher. Ou est-ce que mon robot, il a vraiment une voix humaine, ce qui est certainement l'idéal, mais comment je fais pour couvrir toutes les possibilités de réponse nécessaires. Alors, ensuite, je suis toujours sur cette histoire de voix. On a comparé en interface homme-machine, en robotique, eh bien, les perceptions entre voix de synthèse, voix humaine. Et vous le voyez, globalement, la voix de synthèse n'est pas systématiquement considérée comme une voix qui génère de la présence sociale perçue, c'est-à-dire que quand on utilise de la voix de synthèse, les gens ne se sentent pas véritablement proches de l'interface, parce qu'ils ressentent comme une distance, ils ne ressentent pas un lien social très développé. En effet, c'est ma troisième idée, on nous dit qu'il y a des travaux qui démontrent que la voix humaine est plus crédible, elle est plus persuasive que la voix de synthèse. Pour synthétiser, ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a eu des tas de travaux portant sur les deux types de voix et qu'il n'y a pas franchement d'unanimité sur quelles sont les forces, les faiblesses de l'une par rapport à l'autre. Donc nous, on a repéré cette littérature assez contradictoire et on s'est dit on va tester un modèle. Alors voilà ce qu'est un modèle de recherche. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait monter un petit peu en puissance par rapport à ce qu'on avait fait. Que voyez-vous dans ce modèle ? Sur la partie gauche, j'ai placé la voix du conseiller. D'accord ? Et la voix du conseiller, elle va prendre deux modalités, humaine versus synthèse. J'ai envie de tester, et c'est ce que je vais appeler H1A dans un premier temps, si le fait d'entendre une voix humaine m'amène sur un site à ressentir plus de présence sociale que le fait d'entendre une voix de synthèse. Vous me suivez ? Hein, la présence sociale, c'est « je ne me suis pas senti seul, je me suis senti entouré sur ce site ». Donc, est-ce que le fait d'entendre une voix modifie cette perception de la présence sociale ? Ensuite, vous le voyez, on va s'interroger sur l'influence de cette voix sur, comme tout à l'heure dans le premier papier, la confiance qu'on peut avoir envers le conseiller, voire même envers le site. Donc ça, c'est mes hypothèses H1A, H1D, H1B. Et puis tout ça, c'est toujours la même histoire. Est-ce que ça sert positivement ou négativement les intentions comportementales ? Est-ce que le fait de ressentir plus de présence sociale grâce à la voix améliore les intentions comportementales ? Est-ce que le fait d'avoir éprouvé plus de confiance envers le site, envers le conseiller, amène plus d'intentions comportementales ? Et ça, donc, vous voyez, c'est toutes mes hypothèses de droite, H4, H2, H6. Quelle différence est l'appellation par rapport à la flèche verte, par exemple ? La flèche verte, en pointillé, c'est pour tenter d'expliquer ce qu'on appelle un effet médiateur. C'est-à-dire que si vous regardez le sens de la flèche verte, on s'intéresse à une relation qui fait intervenir trois variables. D'abord, le type de voix qui aurait une confiance envers le conseiller et confiance envers le conseiller qui aurait une influence sur la confiance envers le site. Je vais essayer statistiquement de démontrer que ce chemin existe réellement, qu'il y a une influence de la voix sur la confiance envers le site via une influence intermédiaire envers le conseiller virtuel. C'est la dérivation de la relation dans les autres hypothèses, c'est la variable directe. C'est ça. Contrairement aux autres hypothèses, la variable qui apparaît, l'hypothèse qui apparaît en vert, c'est une variable qui fait intervenir, c'est une hypothèse qui fait intervenir trois variables, alors que les autres hypothèses ne font intervenir que deux variables entre elles. Donc c'est ce qu'on appelle en statistique un effet médiateur. A influence B qui influence C. Et on a envie de vérifier si ça s'est bien vérifié.
Alors, ce qui est important pour nous, c'est toujours la méthodologie, comment on a travaillé, comment on a mesuré tout ça. Là encore, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a encore travaillé avec une véritable entreprise. Hein. Et donc là, on a travaillé avec les acteurs de la GMF qui nous ont mis à disposition leur site web. Et le site web que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est un site sur lequel il y a déjà un agent virtuel qui est un homme. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec mon agent virtuel de ce matin. Et ce site, il vend de l'épargne, des assurances. Et dans l'esprit des gens, eh bien, la représentation idéale d'un agent virtuel pour ce type de produit, c'est plutôt un homme avec un costume plutôt qu'un autre type de personnage. Ça, c'est ce qui est ressorti d'études qualitatives préalables. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, comme ce matin, on a constitué un échantillon très important, cette fois-ci, vous voyez, de 640 répondants. Et on a 320 répondants qui vont être exposés à la version du site où le conseiller virtuel s'exprime avec une voix humaine. Et on a 320 répondants qui vont être exposés au site s'exprimant avec une voix de synthèse. Donc vous avez bien compris, hein, un répondant n'est exposé qu'à une des deux versions. Et toujours pareil, on n'explique pas le sujet aux répondants. On ne leur dit pas qu'entre les deux versions, c'est la voix qui change. Hein. Bon, on vérifie d'un point de vue statistique que les profils sociodémographiques des deux groupes, des 320 d'un côté, 320 de l'autre, sont bien identiques. Pour pas qu'on nous dise « Ah bah oui, vous avez obtenu des différences entre la voix, mais peut-être que c'est à cause de la composition de l'échantillon qui n'était pas la même. » Donc nos deux échantillons, en termes d'âge, de sexe, de salaire moyen, sont identiques. On dit qu'ils sont appariés, c'est le terme méthodologique qu'on utilise.